5 ans. Ça fait 5 ans que je fume. Résultat, ça me nique la gorge, ça me fait puer de la gueule et ça m'essouffle. En plus, je suis hypochondriaque, ou du moins, j'ai une tendance à l'hypochondrie. Alors, dès que j'ai une angine, je suis persuadé d'avoir un cancer du larynx. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois même. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je ne fume jamais autant que quand j'arrête. Mais j'ai peut-être trouvé une solution. Sur internet. Ça s'appelle une thérapie en réalité virtuelle. Benoît, en fait, comment ça marche? Quand t'es atteint d'une phobie. Genre, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a peur d'aller en avion. De monter dans un avion, c'est de l'aviophobie. Dans le meilleur des mondes, son psychothérapeute ou son psychiatre, il devrait l'accompagner jusque dans l'aéroport, jusque dans l'avion, pour travailler ensemble et en situation sur la phobie. Sauf que ça coûte cher, et c'est pas pratique, et c'est quasiment pas possible. Le principe des casques de réalité virtuelle, c'est que ça te recompose une réalité, un environnement virtuel. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un casque de réalité virtuelle devant les yeux du patient, et ça va recomposer, reconstituer l'environnement qui lui fait peur, notamment là, dans le cadre de l'avion, ça peut être une cabine d'avion, pendant l'atterrissage, pendant le décollage, ou l'aéroport. Et donc ça, ils le font pour toutes les phobies, et maintenant, ils le font aussi pour d'autres choses comme l'addiction au tabac. Le marché des casques en réalité virtuelle, comme l'Oculus Rift, il est en plein essor. Alors celui des applications thérapeutiques en réalité virtuelle aussi. En France, une jeune start-up domine ce marché. Elle s'appelle C2Care. Pierre, l'un de ses deux cofondateurs, vient me chercher à la gare. Alors là, on est à Toulon. Alors on va à la maison du numérique et de l'innovation en pépinière, là où mon entreprise C2Care a ses locaux. Et C2Care, vous faites quoi en fait? On fait tout ce qui est traitement thérapeutique lié à la santé grâce à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle au service de la santé. Prenons l'exemple de l'acrophobie. Un acrophobe souffre d'une peur démesurée du vide. C2Care a donc créé cet environnement virtuel, en hauteur, sur une passerelle, qui le met en situation. Alors, si vous avez peur maintenant, vous devriez peut-être aller consulter. Voici un autre programme, à destination cette fois-ci des patients atteints de claustrophobie, c'est-à-dire la phobie des espaces confinés. La grande hantise des claustros, c'est l'ascenseur. Et pire encore que l'ascenseur, c'est la panne dans l'ascenseur. On a vu pour les phobies, mais les thérapies en réalité virtuelle, elles peuvent être utiles pour d'autres troubles, comme la boulimie. Par exemple, C2Care a créé cet environnement. En fait, il s'agit surtout d'une photo d'un menu de McDonald's. Et quand on confronte des patients à cette photo-là qui sont atteints notamment de boulimie, ça leur donne envie de manger. Et C2Care fait bien attention à prendre des photos d'aliments qui existent. Parce que si jamais on compose un faux hamburger, ça ne sera pas du tout et ça ne fera pas du tout le même effet. Et enfin, une dernière application, la réalité virtuelle peut aussi aider à arrêter le tabac. J'ai pris le train pour aller jusqu'à Marseille. Là-bas, le pôle psychiatrie de l'hôpital de la Conception accueille l'un des services pionniers de l'usage de la réalité virtuelle à des fins médicales. Et à sa tête, on trouve un drôle de psychiatre, fan de science-fiction et de jeux vidéo, Eric Malbos. Ses patients sont quasiment tous des phobiques. Et c'est avec lui que j'ai pris rendez-vous pour une première séance. C'est important de savoir Oui, alors je voudrais savoir quelles sont les situations qui te poussent à fumer. C'est quand je vais prendre des verres avec des amis le soir, c'est quand je suis trop stressé par le travail et que j'ai besoin de fumer entre deux articles. Là, c'est un point important, effectivement. La fausse idée de la cigarette qui calme, alors c'est faux, hein. La nicotine est un excitant. Donc le principe, c'est de te mettre dans des situations qui vont te donner envie de fumer. Alors, mon jeu de dés. Allez, on passe.
place, toi. J'en suis prêt. Je vais la place pour que tu puisses évoluer. Donc voilà, tu vois, si tu bouges la tête à droite, bien le paysage se déplace à droite. Donc quand tu déplaces la tête, fais-le un peu doucement, pas de mouvement brusque, hein, pour justement éviter le cybermalaise. Voilà, donc là, tu es en ville, dans un centre urbain et entouré d'immeubles. Hein. Ouais. Donc, et tu as le restaurant qui est juste à côté. Donc, je vois des cigarettes. Exactement, il y a des cigarettes. Il y a des cigarettes partout, il y a des fumeurs. C'est le paradis, hein. C'est le paradis des fumeurs ici. Ou à droite. À droite, par là. Voilà, doucement, pas trop vite, tu sais. Hein. Ouais. À droite encore. Encore. T'as trois fumeuses là-bas. Tu peux t'approcher d'elles, s'il te plaît. Ouais, j'y vais. Justement, est-ce que donc face à ça, est-ce que tu as des émotions particulières? Ou est-ce que ça te donne envie de fumer? Bah, ça me donne gentiment envie de fumer. C'est comme quand je regarde un film avec quelqu'un qui fume. Plutôt que de céder à cette envie de fumer, tu peux t'engager dans la relaxation, par exemple. Tu vas inspirer et gonfler le ventre, et expirer tout doucement, sans force. Donc tu diriges ton attention vers un événement externe, plutôt que sur cette envie de fumer. Je suis un peu hypochondriac. Alors c'est très bien ce que tu dis là, parce que c'est exactement ce que tu peux faire. C'est que tu peux imaginer les conséquences négatives qu'entraîne la consommation de tabac. C'est-à-dire que tu t'imagines en mauvaise santé, tu t'imagines à l'hôpital. Donc l'hypochondrie, ça peut avoir du bon en fait. Ah mais dans ton cas là, c'est très très bon, parce que ça va t'aider à ne pas fumer justement. J'en étais sûr que ça me servirait un jour. Donc c'est terminé, on pourra poursuivre à la prochaine séance ou essayer un autre environnement virtuel. Tu vois? Mais c'est quand même pas pareil. Non. La réalité, elle est, tu vois bien que tu es dans la réalité virtuelle. Mais l'idée, c'est de t'entraîner en fait. Comme le pilote de Formule 1 s'entraîne sur simulateur avec son écurie, il va acquérir des réflexes qu'il va être capable de généraliser à une vraie voiture de Formule 1. Bon, c'est le même principe. Ces techniques que je t'enseigne dans la réalité virtuelle, à force de faire des séances, elles vont devenir réflexes. Et après, dans la réalité, tu vas dire « Ah oui, mais non, il faut que je fasse ça, ta. » Et ça va sortir tout seul. Ah, tu crois qu'il me faut combien de séances alors? Bon, je crois, en général, il faut 5-6 séances. Comment ça marche?